Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe et vous avez le droit d'en être fier. Moi, c'est Jaffa. Il a la dalle, ton copain. Pourtant, c'est pas des filles qui mentent ici. Ah, mais c'est pas un problème de filles, hein. Y a des critères précis. Tu vois en vert, là, c'est l'association de rugby. Et là, en rose, c'est le BDE, c'est le bureau des élèves. Suffit de rentrer dans un club pour baiser? Avec toutes ces filles, il y a forcément moyen. Non, mais c'est pas une question de nombre. On est sur un marché. Mais de quel marché tu parles, là? Du marché sexuel, quoi. En gros, tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu l'as fait flirter avec Jaffa, et le lendemain, théoriquement, il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus. Cette histoire, c'est une occasion de devenir pote avec tout le monde ici, de te faire un réseau. Télia achète, enfin recrute. Je peux te dire un truc, le premier truc, c'est que t'es belle. Et moi, je vends. C'est pas une question de savoir si t'es capable ou non de coucher avec une fille gratuitement. Hein. Vous vous amusez, c'est donnant-donnant. Tu vas voir un monde que t'as jamais vu et que t'aurais jamais dû voir. La crème de la crème. Quoi comme genre de fille? Bah, je sais pas, moi, t'aimes quoi? Tout. Bah, on a tout. Les filles de l'école nous ont balancé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Et il se passe quoi si nos noms sortent sur Internet? C'est un peu chaud pour vous, franchement. Si j'avais su qu'elles étaient payées, je leur aurais fait des trucs bien plus crades.